Alors que la saison 8 de Danse avec les stars bat son plein, l'équipe MAG a décidé de consacrer un dossier spécial sur les anciens sportifs candidats de l'émission. Parmi eux, Philippe Candeloro. L'occasion pour le patineur de révéler ce qui l'a poussé en 2011 à se lancer dans l'aventure. Vénalement, je dirais que j'y suis allé pour le pognon, révèle au magazine Philippe Candeloro. Compétiteur dans l'âme, le champion français avoue tout de même s'être rapidement pris au jeu. Danser à deux était un challenge intéressant. Au départ, sur le contrat, il fallait être dispo 3 heures par jour, mais à la fin, on faisait du 6 à 7 heures quotidiennes. En fait, après, on se prend au jeu parce qu'on n'a pas envie d'être viré. Surtout qu'après chaque émission, on touchait une prime. Une motivation supplémentaire pour Philippe Candeloro, qui avait réussi à atteindre la finale de la saison 2 de Danse avec les stars, remportée par la chanteuse Shaim.